Épisode 1, Destination logo. À quoi sert l'étiquetage nutritionnel présent sur l'emballage des produits alimentaires que nous consommons? Il fait partie de la panoplie d'actions mises en place par les pouvoirs publics pour modifier les comportements alimentaires et remédier aux problèmes de santé liés à l'alimentation, comme le diabète ou l'obésité. Parmi ces mesures, on trouve des campagnes de promotion de la consommation de fruits et légumes, l'engagement des industries agroalimentaires pour améliorer la qualité de leurs produits, ou encore la taxation de produits gras et sucrés. Depuis décembre 2014 et l'entrée en application du règlement INCO pour information des consommateurs sur les denrées alimentaires, l'étiquetage nutritionnel est devenu obligatoire et uniforme dans toute l'Union européenne. Les entreprises doivent donc fournir, généralement dans un tableau placé au dos de chaque produit alimentaire emballé, les informations suivantes. La valeur énergétique, qui est la quantité d'énergie apportée par le produit. La quantité de matière grasse, c'est-à-dire les lipides qui sont composés d'acides gras saturés et insaturés. La quantité d'acides gras saturés doit être spécifiée car selon les recommandations nutritionnelles, ils sont à limiter. La quantité de glucides, communément appelés sucre, qui se compose de sucre simple et de sucre complexe. Ce sont les quantités de sucre simple qui doivent aussi apparaître sur les étiquetages. Et pour finir, la quantité de protéines et de sel. Ces déclarations nutritionnelles sont exprimées pour 100 grammes ou 100 millilitres de produits. Quels sont les effets de cet étiquetage? Dans un contexte où le consommateur s'interroge de plus en plus sur son alimentation, l'étiquetage répond à une attente de transparence, d'information et le pousse à porter plus d'attention à la composition nutritionnelle des produits. Au-delà de ces objectifs, quels sont leurs impacts sur les comportements alimentaires? Les études conduites dans les pays qui utilisent depuis plusieurs années cet étiquetage semblent montrer que les effets sont modestes pour différentes raisons. Tout d'abord, l'interprétation du tableau nutritionnel n'est pas toujours simple et demande un certain niveau de connaissance en nutrition. D'autre part, son utilisation suppose un intérêt pour les questions de santé. Or, de nombreux consommateurs font avant tout leurs choix alimentaires sur la base de critères de goût, de prix, de praticité, et assez peu en fonction de l'impact à long terme des produits sur leur santé. Au final, l'étiquetage nutritionnel est davantage utilisé par les femmes, en général plus attentives à ce qu'elles mangent, par des personnes plus favorisées socialement ou encore par des personnes confrontées directement ou indirectement à des problèmes médicaux. A l'inverse, les personnes plus défavorisées utilisent moins ces informations, bien qu'elles soient le plus souvent touchées par des maladies liées à une mauvaise alimentation. Plusieurs démarches ont été mises en place ou proposées pour mieux éclairer les choix des consommateurs. Elles reposent sur l'affichage de logos ou d'indications placées sur la face avant des emballages et qui viennent compléter le tableau nutritionnel obligatoire. Il existe 6 grands systèmes de logos, les RNJ ou repères nutritionnels journaliers. Ce sont des recommandations établies par les responsables de santé publique. Ils expriment les quantités de nutriments qu'il convient de respecter pour avoir une alimentation équilibrée. Il est ainsi recommandé de ne pas consommer plus de 90 grammes de sucre simple par jour. Sur un paquet de céréales, par exemple, on trouve les pourcentages des RNJ. Ils correspondent à la contribution d'une portion aux recommandations quotidiennes en sucre simple, soit ici 7% des RNJ pour un bol de céréales. La clé verte, élaborée dans les années 90 en Suède, elle indique les produits dont la consommation est à privilégier. L'Australie a aussi lancé un logo similaire pour identifier les aliments sains. Ce sont des logos dits de santé positifs, parce qu'ils mettent en avant des produits dont la consommation est recommandée. Les feux tricolores, dits multiples, permettent d'identifier si le produit contient pour chaque nutriment une grande, moyenne ou petite quantité. Ce système est actuellement expérimenté au Royaume-Uni sur une base du volontariat pour certains industriels. Les feux tricolores, dits simples, indique avec le même code couleur si le produit est globalement de bonne ou de moins bonne qualité nutritionnelle. À la différence des feux tricolores multiples, ce système propose une évaluation globale, et non pas nutriment par nutriment, et rassemble en une pastille les caractéristiques nutritionnelles du produit. L'échelle à 5 couleurs s'apparente au système à feu tricolore simple, mais intègre plus de couleurs pour permettre une approche plus précise de la qualité nutritionnelle des produits. Pour appuyer l'information, des lettres allant de A à E peuvent être aussi utilisées. Ce système a fait l'objet d'une proposition élaborée dans le cadre de la préparation de lois de santé discutée au Parlement français au printemps 2015. Enfin, des distributeurs français ont proposé un dernier système basé sur 4 pictogrammes de couleurs. Ce système donne une note globale de chaque produit en fonction de la fréquence de consommation à respecter pour assurer une alimentation équilibrée, c'est-à-dire de 3 fois par jour à de temps en temps. De nombreuses initiatives ont donc vu le jour ces dernières années et ont nourri le débat sur l'information nutritionnelle sur les produits alimentaires. Les principes sur lesquels reposent ces systèmes d'étiquetage sont très divers et leur impact potentiel sur les consommateurs et les entreprises reste à être analysé et étudié. De nombreuses propositions de logos et étiquetage nutritionnel ont vu le jour ces dernières années à l'avant des paquets des produits alimentaires. Les RNJ, la clé verte, les feux tricolores multiples et simples, l'échelle à 5 couleurs ou encore les pictogrammes de couleurs. Mais comment faire pour les différencier et comprendre leurs principes? Comment évaluer leurs enjeux et impacts sur les consommateurs et les entreprises? Voici quelques éléments pour y voir plus clair. Tout d'abord, pour pouvoir faire des choix alimentaires, le consommateur a besoin de points de repère et les logos sont basés sur des repères différents. Un premier groupe de logos, qui comprend les RNJ et les pictogrammes des distributeurs, situe la consommation de chaque produit par rapport à sa contribution à une alimentation équilibrée. Par exemple, dans le cas des RNJ, ces points de repère sont les recommandations nutritionnelles journalières qui sont établies par les nutritionnistes pour un adulte moyen. Le consommateur est alors supposé calculer et additionner les apports nutritionnels de l'ensemble des produits consommés dans une journée, pour s'assurer qu'il est en phase avec les consommations recommandées. Pour un second groupe de logos, qui comprend les logos de type feu tricolore et échelle de couleur, les points de repère sont plutôt les autres produits. Ces démarches visent à faciliter la comparaison des produits pour le consommateur. D'autre part, les logos se distinguent aussi par la nature de l'information donnée sur la qualité nutritionnelle du produit. Les RNJ et les feux tricolores multiples donnent des indications nutriments par nutriments. C'est donc le consommateur qui doit lui-même interpréter la qualité globale de chaque produit en fonction des teneurs en lipides, en sucre, en sel, etc. Dans le cas de la clé verte, des feux à 5 couleurs, des logos basés sur les fréquences de consommation et des feux tricolores simples, ces logos donnent une vision globale de la qualité nutritionnelle du produit. Les logos ont aussi tendance à imposer une certaine hiérarchie entre produits qui est plus ou moins claire. Par exemple, les RNJ ne définissent pas vraiment que certains aliments sont meilleurs que d'autres. C'est au consommateur de construire cette hiérarchie à partir de l'examen de l'étiquetage. A l'inverse, les logos avec code couleur expriment une certaine hiérarchie entre les produits, a priori définie par les responsables de santé publique. Enfin, tous les logos n'ont pas les mêmes effets sur les entreprises. L'un des objectifs des étiquetages nutritionnels peut être d'inciter les entreprises à améliorer la composition nutritionnelle de leurs produits. Mais cet effet dépend beaucoup de la façon dont les logos mettent en jeu la comparaison entre produits, et sera d'autant plus fort que les logos permettent aux consommateurs de comparer des produits. Les études réalisées dans divers pays semblent suggérer que tous les systèmes apposés sur la face avant des emballages améliorent la perception du consommateur de la qualité nutritionnelle des produits. Il semble cependant difficile de conclure sur l'impact réel des logos sur leurs comportements alimentaires et la santé des consommateurs, car ces systèmes n'ont été mis en place que depuis peu de temps. Il faut rappeler que l'étiquetage n'est qu'un levier parmi d'autres pour guider le consommateur dans ses choix alimentaires. De même, la nutrition n'est qu'un facteur modulateur des maladies liées à l'alimentation. Il est donc nécessaire d'envisager aussi d'autres approches pédagogiques qui permettraient de cibler les personnes concernées et d'éduquer les consommateurs dans des choix qui allieraient le plaisir et la santé.